Maintenant qu'on a vu c'était quoi des proportions ou des situations de proportionnalité, on va voir ça dans une table de valeurs, dans un plan cartésien et avec l'équation. C'est comme si on faisait un lien avec les MDR, mode de représentation, et ton dernier chapitre sur les rapports taux-proportion. Pour la première page de ton introduction, on y va avec Arthur, un menuisier qui facture 15 $ de l'heure seulement pour ses services, donc pas de frais de déplacement ni rien. Après ça, on ira faire la même situation, mais avec des 10 $ de frais de déplacement. Et ensuite, on ira faire Arthur qui répare des tables, mais plus il y a d'employés, enfin, moins il va avoir de tables à réparer. Commençons avec la première situation, qui est une situation de proportionnalité. Donc, s'il gagne 15 $ de l'heure, et dans la table de valeur, on s'intéresse au temps et au salaire qu'il va recevoir Y. S'il a travaillé 0 heure, bien 0 heure fois 15, ça fait 0 $. Donc, on avait dit pas de frais fixes, pas de frais de déplacement. Pour 1 heure, bien, ça va faire 15 $. S'il travaille pendant 4 heures, 4 fois 15, on va avoir 60 $. S'il travaille pendant 6 heures, 90 $. S'il travaille pendant 18 heures, 18 fois 15, ben 18 heures fois 15 $ de l'heure, les heures s'annulent, tu vas avoir 270 $. Et si tu travailles pendant 20 heures, excuse-moi, Arthur, si Arthur travaille pendant 20 heures, 20 heures fois 15 $ de l'heure, les heures s'annulent, on va avoir un beau petit, oh, pas tant, 300 $. Donc ça, c'est pour la table de valeur. On va observer ce qui se passe là-dedans. En fait, ce qu'on va remarquer, c'est que pour 0 heure, il y a 0 $. Donc, on va toujours avoir le point 0,0. On va remarquer que si on quadruple son salaire, je vais essayer de mettre ça beau pour que toi aussi, tu le fasses beau dans tes notes de cours. 0,0, mettre un peu de surlignant là-dessus. Donc, si on quadruple son nombre d'heures travaillées, est-ce qu'on quadruple son salaire? Ouais. Si on triple son temps travaillé de 6 heures, de 6 heures à 18 heures, est-ce qu'on triple son salaire? Oui. Déjà, c'est signe que c'est proportionnel. On pourrait en plus essayer de former des proportions. 1 sur 15, est-ce que c'est égal à 4 sur 60? Oui, pas mal sûr que si je simplifie ici, j'ai deux fractions équivalentes. Un autre test que tu pourrais faire, c'est vérifier si ton produit des extrêmes est égal à ton produit des moyens. Donc, on va tester ici, mettons. 20 fois 270. 20 fois 270, ça donne 5 400. Si je fais 18 fois 300, 18 fois 300, ça me donne encore une fois 5 400. Bon, pour plein de raisons, tu comprends que finalement, tu as une situation de proportionnalité. Ce que je vais te recommander, là, c'est que dans tes notes de cours, là, on voit bien que on quadruple le temps, on quadruple le salaire, on triple le temps, on triple le salaire. Les situations de proportionnalité vont toujours avoir le même look dans le plan cartésien. Donc, dans le plan cartésien, ça va ressembler à une droite oblique qui passe par l'origine. Okay? Dès que tu as une situation de proportionnalité, droite oblique qui passe par l'origine, on va aller construire notre graphique qui va exactement avec cette situation-là. Pour ton axe des X, okay, c'est l'axe horizontal ici, notre valeur la plus grande, 0, 1, 4, 6, 18, 20, c'est 20. Okay, fait qu'on aimerait bien se rendre en X jusqu'à 20. On va aller compter le nombre de graduations qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce serait bien que pour qu'on puisse se rendre à 20, 20 divisé en 10, on y est avec des petites coches de 2. Okay? Donc, on va graduer avec des pas de 2, pas comme des pas de graduation. Fait qu'ici, j'aurais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Si tu veux que ton graphique respire un petit peu plus, tu peux écrire une graduation sur deux. Donc, tu écris pas L, pas L, pas L, pas L, pas L. Ah, mais nous, on est capable quand même de déduire que ici c'est 2, ici c'est 6. Okay? Mais un ou l'autre des graphiques, c'est comme tu préfères. En Y, on a des valeurs de 0, 15, 60, 90,
270, le dernier c'est censé être 300. J'ai juste effacé mon zéro, je crois. Okay. La plus grande valeur, c'est 300. Fait qu'y, on veut se rendre jusqu'à 300. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haha, j'ai encore 10 graduations. Donc, je vais graduer avec un pas de graduation de 30. Je peux aller faire ça. Donc, 30, 60, plus 30, 90, plus 30, 120. À quel point ce 90-là a l'air d'un 40? Donc, 90, plus 30, j'ai 150, 180, 210, heureusement un peu, 240, 200. C'était par 30 que je faisais, 270, et finalement 300. Je sais pas si tu te rappelles, mais à la calculatrice, tu pourrais juste écrire 30 plus 30. Là, ta calculatrice va te montrer 60. Toi, tu fais juste réécrire plus 30. Ça va t'écrire 90. Puis après ça, tu fais juste appuyer sur le plus. Puis ça va te faire tous tes multiples de 30. Fait que je repars ici. Maintenant que mes axes sont gradués, on pourrait mettre les unités de mesure. Le X, c'était en heures. Le Y, c'était en dollars. Et on va aller placer au moins trois points. Le premier point que j'irai placer, c'est le point 0,0. Donc le point 0,0, ici, 0 $, 0 heure. Le point 1,15, je trouve pas qu'il se place si bien que ça. 4,60, oh, ce serait-tu chic à placer ça? 4,60, merveilleux. On a déjà deux beaux points. J'irai placer 6,90, ça doit être chouette. 6, c'est ici. 90, c'est là. Bon, trois points. Mais là, avoir vos graphiques dans un certain examen de mode de représentation, ça peut être mieux de placer plus de points puis aller chercher de la belle précision. Donc, j'irai placer le point 20. Oups. 20, 300 aussi. Okay, si j'ai fait ça, maintenant, je suis prête à tracer une droite oblique qui passe par l'origine. Ouais, je critique vos graphiques, mais le mien, il n'est pas super. OK, ça a l'air bon. OK. Donc, graphiquement, une situation de proportionnalité, je vais vous rappeler les petits critères importants. Il faut que ce soit une droite. OK? Une droite dans le sens, il ne faut pas que ce soit une courbe. OK? C'est vraiment une droite. Il faut qu'elle soit oblique. Oblique, dans le sens, ce n'est pas une droite horizontale ou verticale. Elle a un certain angle. Tu comprends? Elle a un petit angle. Comme ça. Elle monte ou elle descend, mais pas parfaitement horizontale ou parfaitement verticale. Et il faut absolument qu'elle passe par l'origine. Donc, elle doit passer par 0, 0. Donc, ça, je vais vous tester en classe. Je vais vous faire des graphiques, puis je vais vous demander, est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Oui ou non? Donc là, je te laisse voir un peu de quoi les notes de cours ont l'air à date. Bon, ça, on pourra le laisser. Ça se peut que tu n'en aies pas de besoin. Ça, c'était juste pour la graduation. On va aller faire l'équation. Notre équation, ben c'est que le salaire, c'est égal à 15 $ de l'heure fois ton temps en heure. Donc, Y est égal à 15X. Et il n'y a pas de valeur initiale, donc pas plus 30 $ en partant. Il n'est pas endetté dans son salaire non plus. Il ne part pas avec une dette de 30 $. C'est juste 15X. Donc, dans une situation de proportionnalité, ton équation va toujours être du type y égale ax plus 0, mais dans le fond, on ne l'écrira juste pas, là, c'est y égale ax.